Nous, c'est l'Accent, la première marque de dermomaquillage avec des actifs issus de la châtaigne des Cévennes. Voilà, et notre premier produit, ce sera un fond de teint en poudre libre, hydratant, avec un indice de protection solaire non comédogène, non acnéigène, hypoallergénique et toléré par les peaux sensibles également. Donc il y a eu beaucoup de tests cliniques qui ont été faits sur les produits. Pour pouvoir vraiment garantir une haute sécurité en plus d'une haute efficacité du produit de maquillage, pour faire vraiment du maquillage et du soin à la fois. On a l'habitude en cosmétique de s'inspirer de l'environnement qui nous entoure. Et voilà, donc c'était la fête de la châtaigne. J'ai étudié ce fruit qui, biochimiquement parlant, était un fruit riche en sucre et en ingrédients cosmétiques. Et je me suis dit, bah, bingo, j'ai mon ingrédient phare pour créer une innovation autour du maquillage. On a été incubé fin 2015 pour 2 ans. C'est voilà, tout un accompagnement avec des chargés d'affaires et une collaboration de recherche avec un des centres des mines. Donc pour nous, c'était le centre des matériaux des mines d'Alès. De rentrer dans un incubateur à l'époque, ça nous donnait accès à l'AFT, aide à la faisabilité technologique, qui nous a permis après de travailler en collaboration aussi donc avec l'École des Mines, avec Pharma et avec l'INRA Pharma de Montpellier et l'INRA d'Avignon. On craque jamais en même temps, Oui, ça c'est c'est ça. bien. Du coup, on se soutient. C'est ça, c'est d'être deux déjà. Ça permet d'avoir un peu plus d'énergie sur du long terme. C'est de commencer à construire le projet, à avoir des résultats, du concret, la poudre, le boîtier. Et donc c'est ça, c'est au fur et à mesure, on dit bah, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut faire et c'est pour ça qu'on le fait et c'est ça qui nous aide à tenir le cap. Bah, c'est plus difficile. Voilà. Concrètement, en tout cas dans l'innovation et sur le territoire, c'est compliqué. C'est compliqué d'être une femme parce que, et puis d'avoir 30 ans, c'est compliqué parce qu'on n'est ni trop jeune, ni pas assez mature, donc ils savent pas, Il doute beaucoup. ils doutent beaucoup, donc c'est... voilà, c'est... Il a fallu dépenser beaucoup plus d'énergie que d'autres projets pour convaincre. Pas sur le projet en lui-même, c'est pour convaincre. Que nous, femmes Voilà. de 30 ans, on était capables de porter ce genre de projet. Voilà. Il faudrait, oui, juste changer les mentalités. Une femme a le droit à 30 ans, ou enfin même peu importe son âge, d'avoir un projet quel qu'il soit et de le monter et d'être légitime à le monter en fait. Voilà, on manque de confiance, on sait que c'est comme ça qu'il faut aller, mais on a l'impression que les autres savent mieux. Et donc, ils vont tous donner un conseil, ils vont dire que c'est comme ça qu'il faut faire, et finalement, en fait, il faut faire comme nous, on a envie de le faire. Donc, le meilleur des conseils, c'est vraiment de s'écouter soi, de faire ce qui nous semble bien. Faut y croire. D'être entouré, c'est très important parce que c'est des projets de longue haleine. Ça se fait pas en 6 mois, ni en 1 an, malheureusement. Bon, après, si ça peut se faire, tant mieux. Mais voilà, faut tenir sur la durée, d'être bien entouré, de beaucoup communiquer aussi, parce que des fois, il y a eu des clashs aussi entre nous. Hein. C'est un vrai, pire qu'un mariage. Mais voilà, ça fait partie de l'aventure et faut y croire coûte que coûte. Et même si des fois, bah, c'est dur, hein, on se lève le matin, c'est pas facile. Faut y croire. Croire en soi, croire en l'équipe et croire au projet surtout, parce que ça fait avancer.